Poufouf YouTube, partie 3, on est toujours sur Unturned, free to play, dispo sur Steam. Je vous invite à regarder la partie 1 et la partie 2. Et donc cette fois, on a dit qu'on allait essayer de découvrir de nouvelles choses. Donc déjà, je finis le loot de cette ville. Pour ceux qui sont sur, sur la chatbox, n'hésitez pas à dire les crafts si jamais vous les savez. Un joueur AFK derrière la pizzeria, regarde. Un joueur AFK derrière la pizzeria. Regardez. Ah, c'est ça, un joueur AFK pour toi. C'est pas un joueur AFK, c'est un zombie, ça. Un truc qu'on pourrait essayer aussi, c'est pourquoi pas essayer de créer un serveur. Mais vu que je stream, je sais pas trop si ça va marcher. Non, c'est des zombies, c'est pas des joueurs AFK, ça. Je connais rien au craft. Et y en a un de vous qui sait les crafts ou pas? La faute de goût, prendre le katana à la place de la masse. Ah ouais, mais ça, c'est le talent, ça, garçon. C'est pas une faute de goût. D'ailleurs, en parlant de faute de goût, équipe-moi ton truc. Et là, magnifique. On voit comme en plein jour maintenant. Bon, alors, attendez. On loot tout et on se barre. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Là, il y a quoi? Là, il y a rien. On a plus de stamina. Par contre, j'ai crevé. J'ai crevé de soif. J'ai pas ramassé la bouteille d'eau. Non. Grosse erreur de ma part. Grosse erreur. Allez où? Après, j'ai vu, on peut faire un peu de culture. Vous voyez, il y a des graines. Par exemple, là, c'est une graine de carotte. Faudrait tester. Pourquoi pas? Mais vous, j'y connais rien, donc... Après, est-ce qu'on veut vraiment... Oh, pote. Est-ce qu'on veut vraiment être sédentaire, après? Ou est-ce qu'on préfère pas plutôt se balader un peu partout et découvrir le monde? Et là, c'est quoi? Canot pits. Hop, je prends ça. Moi, je dis, nous, on veut découvrir le monde. Nous, on est un explorateur. Voilà. On va pas faire le sédentaire maintenant. Alors, nanana. Pizza. Putain, ils aiment bien les pizzas, ici, les mecs. Hein. Ça. C'est un pompe ou pas, ça, à votre avis? Non. Ça m'a l'air d'être un fusil. J'avais dit qu'on allait essayer ça, donc ça on va l'essayer. On va le mettre là. Il s'allume ou pas le truc? Enfin, en même temps, il pourrait s'allumer comment? Non mais c'est vrai. Comment pourrait-il s'allumer s'il n'y a pas d'électricité? Donc à tous les coups, il y a un craft d'électricité à faire. C'est pas grave. Moi je veux ça, on veut tester ça. Oh. C'est pas mal le fusil là. C'est là-dessus que j'aurais dû mettre ma visée laser. Est-ce qu'on peut enlever la visée laser de ce truc? C'est V. Non, c'est T. Voilà. Maintenant, je m'équipe de ça. Ah, on peut pas l'équiper dessus, ils sont sérieux? Ou non, je l'ai fait tomber peut-être? Ouais, je l'ai fait tomber. Voilà. Et je commence déjà à connaître un peu les stratagèmes de ce jeu. Voilà. Comme ça, ça on ramasse. On fait ça. Et là, on fait ça. Voilà. Et là, t'as une vraie visée laser, là. Là, t'as une vraie visée. Parfait, parfait, parfait. Du coup, on reprend mon truc de carotte. Parfait. Donc là, on a un magnifique fusil avec lunettes. Donc, ça plaira à ceux qui disaient, ouais, c'est de mauvais goût, ce que t'as fait juste là. Putain, regardez comme je suis trop beau, là. Eh, beau gosse et tout, là, franchement. Beau gosse et tout. Oh ma foi, putain, un bon petit... J'allais dire un bon petit jeu, mais un bon jeu. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des munitions, on a des munitions, on a pied de biche, on a un sac à dos. Ça, c'est quoi? Carrefour paquet, ok. Faut que je trouve à bouffer. Faut que je trouve à bouffer, faut que je trouve à bouffer. On va essayer mon flingue aussi, là. Ah, des munitions. Moi, je prends ça. On peut pas. On n'a plus de place. Gros carottes. Allez, tu sais quoi? On va essayer d'aller planter mes carottes. Là, il y a de l'herbe. Logiquement, ça devrait passer. Voilà. On a quoi d'autre en graines? On a ça. Voilà. Voilà. Le mec, il se fait un jardin.
Il se fait un genre. Et ça. Wow! Et ça, on peut le récolter. Et là, on a eu une tomate. Oh. Et là, on mange la tomate. Oh putain, c'est trop classe ce qu'on vient de découvrir. Il y avait un zombie. C'est juste trop trop classe ce qu'on vient de découvrir. C'est super intuitif et tout. Et là, on a une carotte. Carotte qu'on peut manger. Oh. Trop classe, franchement. Il y a vraiment de super idées. Il y a vraiment de super idées. On voit que le jeu a pas été fait, a pas été codé avec les pieds. Alors, du coup, moi je prends ça. On voit que le jeu a pas été codé avec les pieds. Il y a vraiment de super idées. Et en multi, il doit vraiment. Déjà le solo, c'est pas mal. À mon avis, ça doit être un peu ennuyeux quand même. Enfin, je sais pas. Je pense au bout de 5 ou 6 heures de jeu. Allez, entre 5 et 10 heures de jeu, je pense qu'on a bien le temps de tout finir. C'est quoi? C'est un tapis volant? Là, ils sont sérieux. Il y a un tapis volant sur le jeu. On peut voler avec? Non. On peut voler ou pas? Ah non, c'est qu'une cape. Attendez. Ouais, non, c'est c'est qu'une cape. Non, je sais pas, j'ai cru que c'était un tapis volant. Autant pour moi. Là, il y a quoi? Les cannes, on s'en fout. Alors là, ouais, donc je disais, à mon avis, au bout d'un moment, le jeu, il doit être un peu répétitif. Mais bon, il est en développement, donc je pense que justement les mises à jour vont corriger ce souci du répétitif, pour peu qu'il ajoute de nouveaux trucs, peut-être des zombies un peu plus puissants, des trucs comme ça peut être pas mal, ou peut-être tout simplement des bons serveurs ou des trucs comme ça. Waouh. Ça rend bien dans la nuit, ça. Ça rend bien. Le casque est super bien. D'ailleurs, il y a vraiment de bonnes idées. Le casque, c'est vraiment super bien. Oh putain! Il est sorti d'où, lui? Putain, les zombies, à chaque fois, je me fais niquer par les zombies. Je sais même pas d'où ils sortent. Je sais même pas d'où ils sortent. Donc déjà, le truc de culture, un gros GG. Ça marche super bien. Par contre, j'ai fait le mongol à le jeter là. J'aurais dû le jeter près de mes cultures. Ça marche super bien. En plus, on peut trouver de l'engrais et tout. Moldy tomate, d'accord. Donc une tomate, c'est rouge, c'est bien. Quand c'est comme ça, si on le bouffe, on crève. Est-ce qu'on peut récolter? On peut pas récolter. Quand on peut récolter, il y a un message qui se met à côté, tout simplement. Tu tournes à quoi? 8 heures de jeu, je m'amuse toujours autant. Faut juste connaître la map. Ouais, après, c'est vrai, il y a peut-être ça aussi. La map, il y a peut-être des petits trucs sympas. Un peu comme sur Warzy, quand on connaît bien la map, on sait à peu près où faut aller. Alors, Moldy, donc je suppose que ça, faut pas la boire. Vu que c'est mis Moldy, par contre ça. Ah, elle a fusionné avec des Worms. Des Worms, je crois que c'est des vers. Donc du coup, on peut pas le manger. Faudrait que je me renseigne sur les termes anglais. Parce que je pense que si je bouffe un truc qui est périmé, ça va pas être bon déjà. Et je risque de crever comme un con dans d'atroces souffrances. Tu peux prendre la graine de la patate périmée. Ah bon? Merde, elle est où la patate? Attends. Je l'ai ramassée la patate? Équipe. Comment je fais? Parce qu'à mon avis, si je fais un clic gauche, je la bouffe la patate là. Peut-être si je vise le. Ouais, non, il va la bouffer, j'ai trop peur. Moldy, regardez. Regardez. Alors, vous voyez, là c'est mis Moldy patato et là c'est mis Moldy tomato. Donc c'est des vieux fruits, donc on va les laisser, on va pas y toucher. Alors, équipe tes vêtements. Je suis déjà équipé de mes vêtements. Ah non. Pas merde. Je pensais que j'avais des vêtements. Eh ben, bien vu l'aveugle, on va pouvoir aller chercher nos vêtements. Vêtements qui sont à la laverie d'ailleurs. Merde, putain. Et j'étais sûr que j'avais des vêtements. Franchement, je suis. Voilà, Clot, c'est là-haut. Putain, mais le jeu en PvP, ça doit être une de ces tueries. Faut que je cherche comment faire un serveur. Un pantalon. Équipe.
Voilà, et maintenant il me faut une veste. Est-ce qu'il y a une veste qui traîne? C'est quoi ça? Cloth. Ah, ça doit être pour lui, craft. À mon avis, avec les habits là, on peut peut-être faire des pansements. Et d'ailleurs, tu sais quoi, on va tester. Craft. Si je mets ça là. On peut faire des rags. Si c'est vrai. Locality cloth with minor blood stopping. Ah, c'est bien, avec ça. En fait, j'ai craft les habits, j'ai peut-être été un peu vite. J'ai mis les cloths, donc les habits blancs, je les ai mis dans le craft. Et ça m'a craft ça des rubans, je suppose que c'est ça. Au niveau du skill, j'en ai 47. Qu'est-ce qu'on va faire? Craftman, Michel. Acuity, c'est la merde ça. Survie, stamina, agility. Faire moins de bruit, moins d'aggro. Non, on va se faire une immunity en plus. 50... Il reste 3 points à avoir. On va aller tuer un zombie. Et là, comme par hasard, il n'y en a aucun, tu sais. Bon, j'ai qu'un pantalon, donc. Après, il faudrait demander aux gros joueurs de DayZ si quand ils jouent au jeu là, ils retrouvent les mêmes sensations que sur DayZ. Je pense que c'est la question à se poser. Étant donné que le jeu, c'est un peu un clone de... Enfin, c'est... Ça ressemble un peu à DayZ dans le sens où il y a quand même pas mal d'idées qui sont reprises de DayZ, je trouve. Et je sais pas. Faudra demander aux gros joueurs. Attends, vous imaginez un serveur 200 slots là-dessus? Ouais, si j'avais dit qu'on allait se barrer. Alors là, il y a quoi? Là, on a 10% d'essence. Donc ça veut dire qu'on va bientôt devoir la pousser. Là, il y a combien de pourcents d'essence? 18%. Allez, vas-y, on prend ça. Voilà. Voilà. En avant. Vers l'aventure, compagnon. Il y a une route là ou pas? Ouais, il y a une route. Oh, on voit rien. On voit rien. Comment on fait? Ah. Faut que je regarde le sol. Ok, il faut que je regarde devant moi aussi. Merde, la route, elle va. Elle va là. Voilà. Oh, que c'est mal fait ça. La fumée, c'est un peu trop n'importe nawak. Fumée qui rentre dans l'habitacle. Ah merde, là, il fallait aller là-haut. Attends, il y a un truc là-haut, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on a là-haut? N'a pas grand-chose, ouais. Et moi, il faut que je me remette un peu mieux, parce que la route, elle est là, en fait. Donc là, j'en vais dans l'arbre. Donc, on est... Attends, et peut-être si j'enlève mon casque... Rends-moi ton casque. Merde, il veut pas. Pourquoi il veut pas? Rends-moi ton casque parce que j'ai l'impression que... Voilà. Il est où? Est-ce que je l'ai récupéré? Il est là. Parfait. Et est-ce qu'on voit mieux? Non, on voit rien du tout en fait. C'est éclair à l'intérieur de la voiture. N'importe quoi. Voilà, ça tu t'équipes. Allez, mets ça sur ta tête. Voilà, on est parti. C'est quand la fin de la partie 3? Bientôt les gens, bientôt. Si le jeu vous gonfle, vous pouvez partir. Je pense que personne n'a regardé mes streams. Allez, moi j'ai envie de découvrir une nouvelle ville. Et pour le moment c'est plus... C'est plus celui... Ah, il y a un zombie. Il y a des zombies. Ouh! Le petit fail qui... Le petit fail. Il y a des zombies militaires, les gens. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est des zombies militaires. Ça veut dire qu'il y a peut-être une base militaire pas loin. Eh ouais! D'ailleurs, pas loin... Pas loin, c'est l'or.
C'est juste devant en fait. Pas loin. Attendez. Ouais. Ouais, il y a une base militaire là. Parfait, en avant. On va aller voir ça. Oh putain, le bordel pour conduire. Là, il y a une base militaire là. Oh ouais. Ouais. Là, il y a un zombie. Allez, hop, on descend. Putain. Voilà. C'est professionnel, les gens. C'est professionnel. Skill, on avait dit qu'on allait acheter ça. Voilà, allez, hop, en avant. Bonjour! Allez, bien. Voilà, là, il y en a un là. Hop. Base militaire, les gens, parfait. Là, il y en a un là. Ah. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des painkillers. Oh, parfait, painkillers, ça existe déjà. Putain, ça m'a fait peur. Je pensais que c'était des monstres. En fait, on a des cibles. Bonjour, monsieur. Voilà, hop. Oh, ce PGM, là, les gens. Quel talent! Quel talent! Forcément, c'est plus facile qu'on ait bien stuff. Hein. Alors là, il y a deux copains. Copains comme cochons. Alors après, peut-être que si on tape dans le ventre, ça dure moins longtemps. Hein. Enfin, ça dure plus longtemps, plutôt, je veux dire. Je pense que un coup headshot, deux coups dans le ventre, ou ainsi de suite. Enfin, vous voyez. Ah, j'ai vu quelque chose qui me fait plaisir. Je pense que on est d'accord. Wouah! Comme elle est belle. Un Hummer. Alors, c'est un Hummer en pixel art. Hein, donc, bon, on a du mal à s'imaginer, mais c'est de la bonne bagnole. Enfin, normalement, c'est censé être énorme, ce genre de voiture. Allez, vas-y, tant pis pour le sac pour l'abonné. Oh putain! Mais il sort d'où, lui? Donc, je dis, bon, l'abonné, ton sac est ici. Parce qu'en fait, depuis le début, je garde. Parce qu'on m'a dit que le sac que j'avais, c'était l'un des meilleurs sacs du jeu. Du coup, bah, vu que j'en avais deux, je me suis dit, bah allez, je vais garder l'autre pour un abonné. Mais bon, là, manque de bol, ça se fera pas. Il est là, ton sac, garçon. Celui qui veut, vient le chercher. Bah, je sais bien que c'est pas possible. Bah, tu sais quoi, il y en a même un là, si tu le veux. Toi, t'en as deux. Carjack, c'est du brun. Est-ce qu'il y a un hélicoptère? Non, peut-être mon imagination qui travaille un peu trop là par contre. Allez, on va prendre la tuture. On va aller visiter un peu. Enfin, quoi, on va peut-être pas trop visiter non plus parce qu'elle a pas beaucoup d'essence. Ah, par contre, il y a un recul quand même. Bon, allez, on cherche l'infirmerie, on va se soigner. L'infirmerie, où c'est que ça peut être? Là, on a quoi? Une frag-grenade, donc grenade à fragments. Est-ce qu'on peut casser des murs avec des grenades? Question qu'on se pose tous. Là, on a quoi? Painkiller. Allez, équipe. Parfait. Équipe-toi de la greu. Est-ce qu'on peut casser un mur? Testons. Non! Par contre, faut vite s'en éloigner. Banzai! Alors, DBD porno, DBD porno. Un magasin. Enfin, un chargeur. Ah! Un truc d'essence. C'est bien pour la voiture, ça. Truc d'essence. On s'équipe. Hop, voilà. À 34%. Il est vide. Voilà, c'est parfait. Alors, l'infirmerie, elle est cachée où? L'infirmerie, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. Oh, c'est quoi ça? Ah! Il faut la mettre sur un bidon pour que ça marche, ça doit être relié à l'essence, on dirait. Alors, je pense qu'ici, il doit y avoir des AK quand même, non? Gemlight. Ah, un vaccin qui traîne par terre. Allez, sans s'équipe aussi. On va se soigner. Voilà. Hop, on se drogue. Hop.
Dépêche-toi. Il y a un zombie qui arrive. Bon, c'est bien, les radiations, elles sont pas en ville. On peut aller en ville comme bon nous semble. Ça, c'est plaisant. Ah, regardez mes radiations. Pouf, plus une seule radiation. Par contre, on va aller là-haut. Par contre, il faut que je fasse gaffe quand je descends. Parce qu'à mon avis, si je descends sans faire gaffe, je vais me buter. Ah, un casque militaire. Desert Helmet. C'est pas mal, ça. Allez, un petit clin d'œil à Gordon. Voilà. Gordon, merci d'être venu. Voilà, hop. On prend ça. Et on va s'équiper de ce casque. Un casque militaire. Desert Helmet. Équipe-le-toi et tu te le mets sur ta tête. Et voilà. Ce beau gosse, il a un casque militaire maintenant. Et là, c'est quoi? Militari... Ah, des munitions militaires. D'accord, donc il y a des munitions civiles et des munitions militaires. Peut-être que les munitions militaires font plus de dégâts, je pense. Descends à reculons pour pas te blesser. Ça... Ah, le baril, il y a de l'essence dedans, c'est vrai. Descends à reculons. Attends, est-ce qu'il m'attend aussi ce con en dessous? Voilà. On descend à reculons. Je sens que je vais me tuer, je sens. Ah non. Bien joué. Oh putain. Par contre, il faut faire gaffe qu'il n'y ait pas de zombies en dessous. C'est vrai, le bidon qui était là-haut, il y a peut-être moyen de réussir à le remplir pour foutre à fond la voiture. Par contre, j'ai bientôt crevé de soif. Allô, la buvette? Il n'y a pas une seule buvette dans toute la base. Et ça, c'est quoi? C'est de l'essence, non? C'est du gaz? Je sais pas ce que c'est, ça. J'ai l'impression qu'il y a des trucs de... Le reflet est pas mal, hein? Ah oui, il y a le reflet des bâtiments derrière nous qui est fait dessus. Bon, allez, on va prendre la Jeep. Et là, il y a quoi? Il y a un truc qui traîne par terre. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oh, trop bien! De la morphine. Et ça, c'est quoi? Lâche. Une Red Shamlight. Ah putain, et là il y a. Là il y a une autre visée, d'accord. Ça me fait penser que si on s'équipe de ça, que je fais T. Et là, viseur holographique. Et ouais. Et ouais. Il y a de très très bonnes idées sur ce jeu. Et ouais. On va se piquer avec ça. Allez. Vas-y. Voilà. Ah, la vie remonte. On a dit qu'on allait faire ça maintenant. On va aller le remplir et on va prendre le Hummer, on va se barrer. Il y a de l'essence. Ah, c'était des citernes, d'accord. D'accord. Ça marche pas. Bon bah tant pis, on va avancer la voiture dans ce cas-là. Genre, il y a un cochon? On va se mettre un peu au-dessus avec. Merde, j'ai raté le cochon. Et je savais pas qu'il y avait des animaux sur le jeu. Vous me l'aviez pas dit, ça? Bande de cachotiers, c'est pas. Putain, il y a un cochon. Attends, on va lui mettre de l'essence, on va chercher le cochon après. Oh non! Freine! Putain. J'ai failli foutre la bagnole dans le truc. Ah, parfait ça. Merde. Voilà. Parfait, il y a un cochon. On va aller voir ce qu'on peut faire avec le cochon. Je pense que sa viande, on peut peut-être le truc. Le cochon. Cerf et mouton me semble, il a de la chance. T'es sur un cerf? Non, je suis en solo les gens pour le moment. Je suis toujours en solo. Il y a même un arc. Ouais, les freins en mousse, ouais, c'est vrai que les freins, c'est vraiment pas terrible les freins. Peut mieux faire pour les freins, franchement, peut mieux faire. Oula. Vous imaginez, ça explose. Alors, je suis pas sûr, mais vu que les seringues que tu utilises étaient de couleurs différentes, peut-être qu'elles ont des effets différents. Ouais, c'est ça. Star Wars. D'ailleurs, joli pseudo. Les seringues vertes
me font baisser la jauge verte de radiation. Les seringues rouges me font baisser ma jauge de vie. Et les seringues jaunes me font me permettent de courir plus longtemps sans m'épuiser. Est-ce qu'on est full? On est full. La voiture, elle est full. Ah non, elle est pas full encore la voiture. Bah alors David, c'est quoi ce travail là? Ce travail d'amateur. 96. Bientôt, on va la foutre à fond de toute façon. Allez, hop. Voilà. Voilà. Donc là, normalement. 96. Mec, il y a buggy ou quoi? Ah non, merde, faut bien attendre. Voilà. Voilà, 100%. On le remplit une dernière fois. On est parti. Il va vraiment falloir que tu boives. Ouais, je sais. Bienvenue à ceux qui arrivent, les gens. Va vraiment falloir que je boive. Et j'ai rien, le souci, j'avais trouvé des trucs. Mais tu sais, c'était pas des trucs. Et là, je sors par où, là, entre nous? Je sais qu'il y avait un truc, on va sortir par le fond. J'avais trouvé des trucs à boire, mais disons que c'était pas folichon, folichon. Est-ce qu'on peut écraser le cochon? Il est où le cochon? Non, 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 voiture, 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 voiture. T'as pas un frein là quand... Ah, il y a une ville là où on va aller voir. Oh putain, allez, tant pis, vous savez quoi, tant pis pour le cochon. On va aller vers la ville sans casser la voiture. Je sais pas si les zombies peuvent nous toucher quand on est dans une voiture. Alors, il y avait peut-être une route, mais bon. Voilà quoi. Nous, on va faire ça. Allez, on va vers la ville. J'espère qu'il y aura de l'eau, sinon, bah, voilà, ce sera la fin de l'épisode et je vais mourir. C'est quoi ça? Il y a des trucs bizarres dans la forêt. Hein. Qu'est-ce que c'est? Allez, là, la route. Il y avait un truc chelou qui avait monté la forêt. Là. Je sais pas si c'était un yeti ou un dindon. Y a un truc... Ah, là il y a une belle ville, les gens. On n'y a jamais été en plus. Là, ça va être bien. Là, vous pouvez regarder comme je conduis bien. La conduite est bien d'ailleurs. La conduite est vraiment excellente. On arrive à Waffle House. En fait, c'est une base militaire. Est-ce qu'on peut forcer le passage? Non. Ok, d'accord. Oh, il a loot une arme. AM4. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Wow. Un fusil d'assaut et tout. Pas mal. Bon, on laisse la voiture devant. Voilà, bon, on sait qu'elle est là. Tant pis. C'est quoi ce bug là? Le mini mini work light. Allez, il nous faut de l'eau, sinon on va mourir. Donc là. La survie avant tous les gens. Mode lit. Là, il y a de la bouteille d'eau. Merde. Vas-y, ça je jette. Là, il y a de l'eau. Vas-y, allez, tant pis. Je bois, les gens s'en foutent. On regarde ce qui se passe. J'espère que l'eau va baisser. Hein. Parfait. L'eau a baissé, j'ai pris un peu de radiation. Il y a à bouffer là ou quoi? Bonjour, policier. Eh, il y a bien des donuts dans le commun. Oh putain, il y a des armes et tout là, ça rigole plus. C'est quoi ça, une machine à café? Voilà, parfait. Il y a quoi? Civilien belette. Non, non, là, priorité. D'accord, le tonfa, il est planqué en dessous. Priorité de la fin, on a encore une arme. On regardera les armes après. La priorité, c'est... Putain, il y en a des armes ici. C'est un camp militaire ou quoi, en fait? Bonjour. Ah, un pompier! Putain, tous les loots qu'il y a, on va s'éclater le bide avec tout ce qu'il y a. Mécanique, fire, camion de pompier. Il y a bien des alcooliques, les pompiers, non? Putain, il y en a des pompiers. D'accord, il y a même des zombies pompiers, quoi. Le gars, il... Ok, salaud, tu m'as mordu un orteil. Voilà. Alors, il n'y a pas eu de loot. Allez, s'il vous plaît,
plaît, une lampe torche. S'il vous plaît. Ok, shamelight. Ah. Bon, on va remonter. Il faut que je trouve de la bouffe en fait là. Pour ceux qui. Sinon, peut-être qu'à force de tuer des zombies, il y a peut-être. Ah, un cuistot, normalement, cuistot. Il lâche à bouffer. Non. Là, il avait pas envie de lâcher à bouffer. Là, il y a quoi? Un pistolet. Un school bag, un sac à dos d'école, d'accord. Et le gamin, il a le PC sur le lit. Est-ce qu'on en parle? C'est quoi ça? Début truc. Ah, ça, c'est bien. Attends, il faut faire un tri là, parce que j'ai trop de conneries, je crois. Ça, c'est quoi? Allez, mange-moi ça. Voilà, parfait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai plein d'armes. Mais j'ai rien de. J'ai rien ce qu'il me faut. Enfin, un chelou, on en parlera plus tard du PC sur le lit là. Il doit mal dormir l'enfant là. Duct tape. Duct tape, c'est bon, je sais pas. On a vu, c'est de la merde. Alors. Putain, il y en a du zombie là. La famille, et à mon avis, tu tombes là-dessus, t'as pas d'armes, tu pleures. Alors, est-ce qu'il y a eu du loot? Ah, un petit bug de texture. Bon, c'est pas gênant, non. Ok. Là, y a quoi? Munition, munition, munition. Magic cloak. Voilà, ça, c'est ma. Je pensais que c'était un tapis volant, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ah, des granolas. Ça, c'est bon. Des granolas. Ouais. La vie, les granolas. C'est trop bon, ça. Si vous voulez me faire plaisir, vous m'achetez des granolas. Ouais. Ce sera parfait. Alors, rip, rip. C'est un peu chelou, leur truc. Par contre, on va tester la nouvelle arme, là. Allez, vas-y. On... Je sais pas ce que je peux jeter, en fait. C'est horrible. Parce que j'ai trop d'armes, on va pas se mentir. J'ai trop d'armes, mais je sais pas ce que je peux faire. D'ailleurs, au niveau du skill, on a 152, les gars. Ça rigole plus là. Là. Non, on va augmenter la survie, l'endurance. Ça, ça, ça. Allez, vas-y, hop, on s'en fout, on clique partout. Voilà. Ouais, si j'avais dit qu'on avait testé l'arme là. J'ai des munitions au moins. Ouais, c'est bon. D'ailleurs, t'es. Non, y'a rien. Vous voyez, on peut même modifier le canon. Merde. Allez, en mode sécurité. C'est pas mal, il y a un mode sécurité sur les armes. Vous voyez, quand ça mettait, si j'appuie sur V, bah, je peux pas utiliser l'arme. Ah, canette cola. Putain, il faut que je jette un truc. Je sais pas ce que je peux jeter. Alors, jeter des munitions. Ah, la soif. Voilà, les gens. Je vais pas mourir. Enfin, normalement. C'est quoi ça? Une vieille carotte. Non, on touche pas la carotte. Alors, pizza, pizza, pareil, on en parle des du double screen comme ça. Allez, viens ici. J'aime bien parce que c'est un jeu de survie. Alors, ce qui est bien, c'est un jeu de survie, il fait pas trop peur, même si des fois j'ai un peu sursauté. Ah, une petite plage et tout, là. On se met bien, mon salaud, va. Vous voyez, quand j'ai ma stamina qui est haute, je les one-shot, et quand elle est basse, il faut plusieurs coups. Qu'est-ce qu'on a? Moldy popcorn. Et là, tu peux pas boire l'eau comme ça? Il me faut une bouteille d'eau. Est-ce qu'on a une bouteille d'eau? On n'a pas de bouteille d'eau. Et si je vide la jerrycan et que je mets de l'eau dedans, à votre avis? Oui, il y a un bateau, oui. Attends. Il y a un bateau, c'est de la merde. Il y a un bateau. Avec un sac à dos dessus. Un travel pack. On dirait un petit moteur, en fait. Mais bon. Il y a quoi là-haut? Du zombie, je pense. Bon, alors, c'est cool, la sécure. Personne pour donner de l'aide. C'est ta connexion internet qui fait la grève. Ouais, les gens, si vous avez des lags, c'est votre co qui... C'est votre co de péruvien. Enfin, même si moi, bientôt... D'ailleurs, je ferai une vidéo pour voir un peu les avis. La maison où je vais aller, elle est pas fibrée. Enfin, le village est fibré, mais ma rue n'est pas fibrée. Voilà, c'est... la chance. Et le truc, c'est que du coup, la maison, elle est compatible VDSL 2.
chez Free. Et Free, il me propose, il dit qu'en VDSL 2, enfin je sais pas si je parle chinois pour certains, mais enfin bref, Free, il dit que donc ma maison est compatible VDSL 2 et que je peux avoir un débit descendant de 100 mégas et un débit montant de 40 mégas au maximum. Et il sait pas me dire moi ce que je vais avoir. Alors moi ce que je voudrais savoir c'est si parmi vous il y a des gens qui vivent dans le nord ou pas. Bon, je pense que ça change rien. Je veux savoir si chez vous, enfin ceux qui sont chez Free et qui sont en VDSL 2, j'aimerais bien avoir vos speed tests. Enfin pour avoir vos connexions. Donc dans les messages de cette vidéo ou sur Twitter, peu importe, une scie sympathique. On peut peut-être couper des arbres avec. D'ailleurs, on va tester. Donc pour ceux qui sont chez Free et qui sont en VDSL 2, votre avis m'intéresse. J'aimerais savoir la connexion que vous avez réellement. Parce que moi, Free m'annonce un débit de 100 en descendant et de 40 en montant au maximum. Mais c'est au maximum en fait. Il sait pas me dire combien j'aurais. Voilà, j'aurais aimé savoir réellement le débit VDSL 2 chez Free, qu'est-ce que c'est? Voilà. À vos claviers. Si vous êtes chez Free, ça m'intéresse. Ou même chez Orange, hein. Je sais pas si Orange fait de la VDSL 2, je connaissais pas avant. Mais voilà, malheureusement, je peux pas être fibré, mais il me propose ça. Il faut savoir que donc, si j'ai 40 mégas de montant, c'est bon quoi, je peux stream en 4K. La scie, c'est une arme pour tuer des zombies. D'accord, on en parle de mon, mon fail là. Et c'est quoi pour couper les arbres alors? Alors ça sert à miner les cailloux. Et ça, c'est pas la masse quand même pour couper les arbres, non? La scie, c'est juste une arme. La hache, c'est mieux. J'ai pas de hache. Mais ça marche. J'ai fait de la merde en fait. Pas grave. Bon. Edlo, on va aller à la poste, voir si on n'a pas des colis. Bonjour! Okay, les chargeurs. Merde, j'ai déjà été dans ce bâtiment, je crois. Dans le magasin. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ah, parfait. On sera plus à poil. Hop. F. Hop. Équipe. Voilà. C'est bon, les gens. On est full stuff. S'il y a un mec qui nous trouve et qui nous tue, c'est un zombie, je pense plutôt, parce que il y a peu de chances qu'on tombe sur des mecs. On crève. Alors, on va faire le seul craft qu'on connaît. C'est celui-là. On met ça là et ça nous craft des rags. Craft. Voilà. Et rags, ça permet de se soigner. Des pansements. Voilà. Du coup, ma vie, elle remonte. Elle remonte un tout petit peu par contre. Hein. C'est vraiment pas là. C'est pas la joie. Alors. Le jeu me fait un peu penser aussi à Set Day to Die, un truc comme ça. Dans le sens où au niveau de la survie, un peu, tu te balades et tout ça. Parce que j'avais fait un let's play sur le jeu et je sais pas, ça me fait un peu penser à ça. Oh, genre, on est revenu ici! Un poncho, sac à dos. Écoute. Ok, petit truc. Et ça, c'est quoi? Pomipoltric. Non, je vais me casser la jambe. J'ai l'impression qu'on est revenu dans la ville du début. Alors, est-ce que la map est toute petite ou est-ce que c'est moi qui ai vite fait le tour? Et comment ça. Ah, ok, il y a une barrière militaire de l'autre côté en fait. Et ça, c'est la voiture. C'est la voiture que j'étais en train de remplir, ça. Donc la villa, je l'ai déjà loot en fait. Ok. La VDSL 2, c'est une connexion ADSL ou SDSL? Alors Star Wars, j'en ai aucune idée. Faut que tu regardes chez Free. Moi, Free, il me dit. Je vais te montrer ce qu'il me dit. Free, il m'a dit ça, moi. Attends. J'ai envoyé ça là. Free, il me dit que je suis compatible. Ça. Voilà. Free, il me dit ça. Que je suis compatible VDSL 2 jusqu'à 100 mégas en réception et 40 mégas en réception. Mais c'est le débit maximum en fait. Et c'est ce que j'ai dit au gars. Je lui ai dit, ouais, donc c'est le maxi. Je lui ai dit, et donc concrètement, j'ai quoi? Je veux dire, parce que vu que c'est le maximum. Tu sais, tu peux très bien te retrouver avec un vieux débit de merde. Il est là, mon 4x4, on va le laisser, c'est pas grave. Vu que c'est un débit maximum, tu peux très bien te retrouver avec un débit de merde. Et en fait, il a pas su. Il me dit non, on annonce que les maxi, on dit jamais les mini.
Je lui dis, ouais, mais bon, t'es gentil, Coco, mais si c'est pour me retrouver avec un débit de péruvien, ça sert à rien. Bah, le souci, ils annoncent que les débits max, c'est pour ça. Je sais pas si c'est de la DSL, c'est du VDSL. Donc logiquement, c'est pas de la DSL, c'est autre chose. Regardez, il y a un cerf là. On va essayer de le buter d'ailleurs. Putain, c'est chaud à tuer quand même, hein, cette connerie là. Non, à mon avis, c'est pas de la DSL, c'est. Et là, il y a un cerf, là, il y a un cochon. Putain, le cochon, le copycol sur Minecraft. Attends, et si je le mets un peu au-dessus? Et là. Et si je vise dessus même, tout simplement. Ok, je l'ai même pas. Rien quoi. Et ça. Est-ce que ça a une bonne portée? Ouais. Ouais, c'est une très bonne portée même. Ouais, je l'ai eu. Ouais, c'est pas mal ça. J'avais l'impression de faire un peu de PVP d'ailleurs. Tu combines, ça marche, j'ai vu avec les munitions. Je viens de vérifier les serveurs internet. C'est actuellement soit en Amachi, soit en local. Ça marche. Le petit cochon là qui loot de la viande. Ça, à mon avis, on peut peut-être le craft. Moi, ce que je veux, c'est sa viande. Top. Allez, mange-moi le bacon. Alors, c'est de la DSL, moi je go, machin chose. Non, je suis pas en multi, je suis en solo, mais on peut tester le multi, pourquoi pas un peu après. Quoique, non, ça fait déjà 40 minutes, on va se tester là-dessus même. J'ai tué le cochon, normalement j'ai tué un cerf aussi, on va aller voir ce que le cerf il loot. Faut pas que je m'éloigne trop de ma voiture. Je l'aurais pas tué le cerf. C'est de la merde ce fusil, franchement c'est de la merde. Il vise 4 km au-dessus des gens, c'est tout pour. C'est tout pour. Donc voilà, parce que donc je déménage et moi mon but c'est de pouvoir continuer à faire des streams. Mais bon, j'ai l'impression que faire des streams en 720p 60 fps dans pas longtemps ce sera pas possible. Ou alors il faut que je trouve le bon opérateur en fait. Parce que. Oh si j'ai déjà été. Faut que je trouve le bon opérateur. Parce que d'un opérateur à l'autre, en fait, numéricable. Il me propose un débit jusque 15 mégas maximum. Donc autant vous dire que c'est de la merde. Voilà, je t'ai eu. Free, il me propose un débit donc de 100 mégas en descendant et de 40 en montant au maximum. Donc encore une fois, il se mouille pas. Parce que je peux très bien avoir un débit encore plus pourrave que chez Numéricable. Et lui, Orange, il me propose un débit jusque 50 mégas. Le souci, c'est du maximum. Voilà, donc ça veut dire que je peux très bien me retrouver avec une co qui me permet pas de stream du 360p. Donc c'est pour ça que je sais pas trop chez qui aller. Et j'en avais parlé avec Kizito et il se trouve que chez Free il n'y a pas d'engagement. Donc au pire je peux très bien essayer. Vous voyez, quand je tire dans le ventre, il faut plein de cartouches. Donc si on tire dans la tête, ça one shot. Du coup je me suis dit je vais peut-être essayer Free. Et vu que c'est sans engagement. Eh ben, bah, si vraiment c'est de la merde, je changerai. Mais bon, au niveau de la chaîne, ça va faire une inactivité de 3 mois. Donc c'est ça qui me gonfle un peu. Donc voilà. Je suis en pleine réflexion et à chercher des speed tests. T'as l'air field. Reprends Numéricable. Mais Numéricable aussi, le truc, c'est eux, ils savent pas me dire ce que je vais avoir. Quand je les appelle, à chaque fois, j'ai l'impression de parler le chinois et. Les gars, ils savent jamais rien quand je les appelle. Numérica, moi j'en étais content jusqu'à présent. Le souci, c'est là, la maison où je vais, bah. Je suis dégoûté quoi. C'est pas. Y a pas la fibre. Y a pas la fibre et ce qu'ils me proposent en débit, c'est 15 mégas maxi. Et Orange, ils me proposent du 50 mégas et Free du 100 mégas. Mais le souci, c'est qu'à chaque fois, c'est maxi. Bah, regardez, hé, ton sac à dos. Je suis retourné. La map, elle est toute petite en fait. C'est pas possible. C'est le sac à dos que j'ai jeté et le Hummer, il était ici. Hein. Pour information. Bon voilà, bon bref les gars, 44 minutes. On était sur Hunterned, c'est le jeu qui est en free to play sur Steam. J'ai fait 3 parties de 45 minutes, 45 minutes, 1 heure, donc n'hésitez pas à mater pour vous donner une idée. Pour retourner sur mon petit souci, si jamais vous êtes chez Free et en VDSL2, j'aimerais bien voir vos speed tests ou que vous me disiez combien vous avez.
parce que ça m'intéresse. Voili voilou. Pour YouTube, on cesse là-dessus. J'espère que ces trois parties vous ont plu. Si vous avez des. Si vous voulez que je teste des jeux, n'hésitez pas à m'envoyer ça sur Steam ou sur Skype. Enfin, pas sur Skype, mais sur Twitter. Et voilà. Allez, bon après-midi, c'était un super.